journalist was found shot dead at his home last weekend. The evidence keeps building in the death of journalist Jamal Khashoggi. 50 journalists were still killed for doing their jobs. When a society gets caught in this vicious cycle of violence and impunity, at some point, journalism is just not worth it anymore. That's enough. Put down the mic. Politicians are talking about the media as the enemies of the state. Le paysage n'est pas bon, il y a une réelle détérioration. Pour jouir de sa liberté, il faut vivre. Au cours des 20 dernières années, plus de 1000 journalistes ont été assassinés. Or, cette violence ne fait qu'empirer et les coupables restent impunis. Le travail des journalistes est de découvrir la vérité et de la faire connaître. Pour cela, dans le monde entier, ils se font tuer. Jan Kuciak était connu en Slovaquie pour ses révélations sur la corruption en politique et dans les milieux financiers. Mais le 26 février 2018, Jan et sa fiancée Martina Kusnirova furent tués par balle à leur domicile. Jan Kuciak avait 27 ans, toute la vie devant lui. He was the most kind and decent man I knew among journalists. He was always very helpful, very polite to everybody, and he was a brilliant analyst. I believe that for him, his work was also his hobby. But it's always dangerous. Aj keď to nebude žiadny storytelling, ale pokúsim sa tie Panama Papers ukázať aj z toho hľadiska. He really liked beer. He had the friends. He was reconstructing his house. He was very kind and very nice person in general, but he was writing like really hard-hitting investigations. It was a shock at the start, then it was an outrage, and it was, of course, fear. If somebody is out there and he wants to kill you, you are already dead. That's a fact. Jan Kuciak enquêtait sur les relations de corruption entre de riches hommes d'affaires et des responsables politiques. Le double meurtre provoqua une vaste onde de choc dans tout le pays. Jan was writing about the system of the political party Smer that was headed by then Prime Minister Robert Fico. It created a system that is now called the system of our men. There are judges involved, there are policemen involved, you know, prosecutors involved, business people involved. This means people who were protected by political power, and Kochner was one of them. L'homme soupçonné d'avoir commandité les meurtres et l'homme d'affaires slovaque Marian Kochner, sur qui Jan Kuciak avait longuement enquêté. Quelques mois avant la mort du journaliste, Kochner l'appela au téléphone pour le menacer. Začnem sa venovať špeciálne vám, vašej osobe, vašej matke, vašej osobe a vašej súrodnici, pán Kochner. Ce n'étaient pas des menaces en l'air. Un ancien agent des services de renseignement, Peter Todt, témoigna qu'il avait dirigé une équipe chargée d'espionner Jan Kuciak et d'autres journalistes pour le compte de Kochner. Even the people who did the surveillance said like, hey, he's not like really our idea of who we are following. You know, there's nothing we can really use for extortion or blackmailing. Quand les menaces ne suffisent pas à faire taire un journaliste, l'étape suivante est la violence. Peter Todt affirme que Kochner lui a dit: keby sa odstránil, fyzicky odstránil, zlikvidoval, zavraždil jeden novinár, tak všetci by sa zlakli a bol by pokoj. Ça s'appelle l'intimidation, le fameux chilling effect. C'est un symbole, en fait. C'est vous, journaliste, vous dérangez et voilà ce qu'on peut faire de vous. Il y a beaucoup d'histoires comme celle de Jan Kuciak. Tuer un journaliste semble désormais considéré comme un moyen parmi d'autres de le réduire au silence. Et cela se produit de plus en plus dans le monde entier. At the moment, every year, around 50 journalists worldwide are murdered because of the job that they do. Over the past decade, it's been a total of 500 journalists murdered. Cette tendance ne fait qu'empirer et les coupables sont rarement inquiétés.
Selon une enquête de l'UNESCO de 2019, 88% des meurtres de journalistes ne sont jamais élucidés. One person murders a journalist, absolutely nothing happens, and it means that someone else who has this idea feels encouraged that this is something one can do. L'impunité dont jouissent les assassins est un exemple de ce qui peut arriver quand le pouvoir s'exerce sans limite. Pourtant, les menaces de mort ne sont pas les seules que les journalistes doivent affronter. L'arsenal qui est utilisé contre un journaliste quand on veut l'intimider et le dissuader, il est extrêmement varié. Several countries use the powerful cyber espionage tool to spy on journalists. A court in the Philippines has convicted a prominent journalist of the crime of cyber libel. Why am I under arrest? Online harassment is ugly and routine for women in journalism. Il y a le cyberharcèlement, il y a les pressions judiciaires, il y a les pressions financières, il y a les pressions directes avec les attaques verbales contre un journaliste. Hey, are you with the media? You're the fucking lawyers, you're the cheats. Ce média bashing, cette perte de confiance dans le journalisme, elle a contribué à galvaniser les foules qui s'attaquent aux journalistes. Et la parole publique, la parole des leaders politiques qui se livrent à des invectives contre les journalistes, elle est utilisée par ces manifestants. It's quite a common thing that we are called the public enemies by politicians. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalhas. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, ce sont toujours les mêmes sujets en fait que les journalistes investiguent, qui les amènent à être menacés, intimidés, pressurisés, agressés physiquement et puis assassinés. El periodista Javier Valdés ha sido la gota que... La periodista Miroslava Breche fue asesinada hoy. Entonces, yo vivo en un país que es México, donde continuamente pues estamos inmersos en un sistema de impunidad, donde hay niveles de violencia que cada vez incrementan más. Au Mexique, la violence contre les médias est devenue banale. Avec plus de 120 meurtres depuis l'an 2000, c'est le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes. There's an incentive for aggressors against journalists to keep using violence because the chance that they'll be caught is extremely low. Alors qu'en moyenne dans le monde, un meurtre sur 10 est élucidé, au Mexique, c'est à peine 1 sur 20. Los políticos, los criminales y todos esos poderes fácticos que siempre están intentando silenciar a los periodistas, el saber que si ellos mandan matar a alguien, simplemente no les va a pasar nada. La impunidad es el incentivo perverso que hace que muchos delitos continúen a la alza en este país. It's catastrophic. Once you've reached a threshold, once you're over it, it's incredibly difficult to go back to a situation where there's no violence and where the public goes up in arms against violence. Pourtant, partout dans le monde, des gens se battent pour mettre fin à cette impunité. Au Burkina Faso, cela fait plus de 20 ans que le peuple réclame justice pour le meurtre du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Si vous n'avez pas mangé, il y a deux solutions. Ou il n'y a pas de nourriture, ou quelqu'un a mangé votre place. Il est connu pour ce qu'il représente. Il représente vraiment la fermeté dans la lutte pour la justice, pour les libertés. Le 13 décembre 1998, Zongo et trois compagnons sont retrouvés tués par balle dans une voiture calcinée au bord d'une route. Il était le responsable d'un journal d'investigation qui s'appelait L'Indépendant. Et ce journal faisait des révélations sur les crimes crapuleux du régime. Pendant des années, Zongo avait compliqué la vie des dirigeants du Burkina Faso. Peu avant sa mort, il enquêtait sur l'assassinat d'un chauffeur travaillant pour François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré. C'était à l'époque un homme très puissant qui avait un rôle dans l'ombre. Il n'avait pas beaucoup de tâches officielles, mais il était très proche de son frère, conseiller politique. Il était très redouté. Le peuple burkinabé, profondément indigné par cet assassinat, manifesta en masse pendant des mois pour réclamer la vérité et la justice.
c'était gigantesque parce que les gens venaient des différentes provinces du pays pour se retrouver. C'est la deuxième ville du Burkina, Burkina Faso, où il y avait une gigantesque marche-meeting. Aussitôt après sa mort, il y a un collectif qui s'est formé pour défendre sa cause, pour que vérité et justice se fassent. L'ampleur du mouvement obligea le gouvernement à réagir. Et le président Blaise Compaoré dut nommer une commission d'enquête indépendante. Je me suis consacré à l'analyse et à la résolution des préoccupations qui sont les vôtres. Pourtant, malgré le combat mené par la famille, les militants, les journalistes et la population, le crime resta impuni. En 2006, l'enquête fut close, sans résultat. Ce mouvement continue. Chaque année, bon, c'est l'anniversaire de cet assassinat, mais c'est en fait des mobilisations et des luttes contre l'impunité, contre les crimes. Et les crimes de sang, les crimes économiques, parce que, bien sûr, Norbert Zongo, c'était la personnalité phare, mais il y avait aussi tous les autres crimes commis par le régime qui étaient dénoncés en même temps. En 2014, après 27 ans de règne, Blaise Compaoré est renversé et se réfugie en Côte d'Ivoire. Son frère François, soupçonné d'être le commanditaire du meurtre de Robert Zongo, s'installe en France. La bataille pour la vérité sur la mort de Norbert Zongo a été le terreau sur lequel a poussé la forte demande de démocratie qui a abouti à la chute de Blaise Compaoré. La majorité, plus de la moitié peut-être même, hein, aujourd'hui des Burkinabés n'étaient pas nés à l'époque de l'assassinat de Norbert Zongo. Mais dès lors que vous évoquez cette affaire, bah, vous verrez toutes les passions qu'il y a autour. Vous exprimez, monsieur? Non, pas de réaction. L'enquête est réouverte et en 2017, un mandat d'arrêt international est délivré contre François Compaoré. Retenu en France, il se bat contre son extradition et s'offre les services d'avocats prestigieux. C'est un détournement judiciaire à des fins politiques. Près d'un quart de siècle après le meurtre de Norbert Zongo, la justice va peut-être enfin passer. L'affaire Norbert Zongo, elle était morte, hein? Aujourd'hui, elle est en cours, nous en parlons. Là, en France, se dit, l'extradition est en cours. Et il faut rappeler que c'est la justice burkinabé, donc les autorités burkinabées qui ont demandé cette extradition. Qui aurait pu l'imaginer sous le règne de Blaise Compaoré? Qu'il demande l'extradition de son propre frère. Moi, je pense que personne, déjà. Voici les noms de journalistes tués au cours des 20 dernières années. Tous avaient risqué leur vie pour porter la vérité au grand jour, et ils en moururent. À cause du manque de volonté politique ou de moyens institutionnels, seuls quelques-uns de ces meurtres font l'objet d'une enquête. Et un tout petit nombre de coupables seront finalement jugés. What we're hoping is that by solving these murders, even 10 years, 15 years after they occurred, we're sending a message that you cannot get away with murder, you cannot get away with attacking journalists. C'est une affaire qui est suivie depuis plusieurs années sur le plan judiciaire, sur le plan des mobilisations dans la rue, sur tous les plans, on n'a pas lâché d'un seul iota. En Slovaquie, la mort de Jan Kuciak a poussé des milliers de citoyens à descendre dans la rue. Le peuple exige la fin du système de corruption mis en évidence par ces meurtres. One of the reasons why we didn't give up as a journalist was that, you know, we saw all the people in the streets who were protesting the murder of our colleague, and it was like a huge motivation and huge support to continue in the work we do. Notre rôle, c'est de faire en sorte d'accompagner ces affaires, de les dénoncer, de dénoncer l'impunité. In Amsterdam is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. I was in a radio studio where we were talking about press freedom in Mexico. De Tweede Kamer die praat over de persvrijheid en persveiligheid, yeah, in Nederland. Heb je daar nog een gedachte over die je wilt delen? And I said, I'm worried because somebody's going to get shot one of these days. I thought, well, maybe in the next few years. And it happened the week afterwards. Just a few weeks before Jan's murder, people asked me if I'm not afraid that the journalist could be again physically attacked. And I always told them no,
the country evolved. It's not something that you can just brush off. We should take those as warning signs. You know, two murders or three murders is enough. No more attacks. We need to be serious about protecting reporters. We need to be serious about investigating crimes against the press. If we don't, then the consequences can be far more severe than we can anticipate right now.